On a le plaisir d'accueillir maintenant Mercedes Serra, fondatrice et présidente du groupe BETC, ainsi que Charles-Édouard Bouet, qui est cofondateur et managing partner chez Adagia Partner, ancien PDG de Roland Berger. Merci de les applaudir. Installez-vous, asseyez-vous. Voilà. Alors Mercedes, on va démarrer avec vous. Je crois que vous avez, comme souvent, envie d'être un peu énergique, de pousser, je dirais pas forcément un coup de gueule, mais enfin disons de dire... On peut dire un coup de gueule. Oui, je crois. Alors on va vous écouter. Donc vous allez nous parler de ce que vous pensez par rapport à l'IA, effectivement, un futur de ces nouvelles compétences qui se construisent au seul prisme masculin. Il ne faut pas forcément que ça continue comme ça. À la tribune parce que exceptionnellement j'ai écrit parce que j'étais trop en colère, parce que quand je vous entends, quand j'entends qu'il y a une fille à Supélec chez les entrepreneurs, je pense que le problème n'est pas quand elles sont là, c'est le problème est avant, c'est pourquoi il n'y en a qu'une, c'est un gag. Quand je pense que le président de la République constamment dit que l'enjeu c'est les femmes. Mais il y a plein de choses à faire. Moi, je vais l'aider. J'ai une liste. Parce que je pense que les résultats ne sont pas bons, quoi. Alors, quand les résultats ne sont pas bons, il faut faire des choses. J'ai écrit pour pouvoir vous donner des éléments, des faits, des choses précises. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Et avant ça, je voudrais remercier Aude, évidemment, parce qu'elle vient de tomber sur un des problèmes les plus graves aujourd'hui sur les femmes. Et pour les hommes, parce que c'est embêtant quand les femmes ont des problèmes. Et je pense qu'on n'y gagnera rien, ni les hommes ni les femmes, si on ne résout pas cela. Donc, vous savez, il faut beaucoup de courage pour monter un événement comme ça. On se met en risque, on met ses sous en risque. Aude, elle a passé sa vie à faire ça, à donner des coups de gueule. Donc, j'ai voulu l'aider dans le coup de gueule. Alors... On ne peut pas accepter l'absence des femmes dans les STEM, ou plutôt leur sous-représentation. D'ici 2050, 75% des emplois seront liés aux sciences et à la technologie. Alors quoi? On laissera aux femmes 25% restants? Mais c'est grave et c'est inacceptable. On aurait tout fait, toutes les conquêtes des femmes, le droit de vote, d'avoir un compte en banque, la pilule, l'IVG, MeToo, tout ça pour achoper sur un problème de maths et fabriquer une génération de femmes qui va rester à la porte du futur, à la porte de l'argent, à la porte du pouvoir, pendant que les garçons entreront en force dans le monde de demain, seuls, entre eux, c'est pas gay pour eux non plus. Inacceptable. Jugez un peu. La part des femmes dans la tech en Europe, 22% des postes. Dans la recherche, 30% de chercheuses. Aux USA, dans les postes de direction technologique, 19%. En France, au lycée, on avait pourtant progressé un peu jusqu'en 2019. Avec 95 000 filles en filière scientifique au lycée, contre 105 000 garçons. On était à 47,5%. Et voilà qu'une réforme rend les maths facultatives. En 2 ans, on tombe à 68 000 filles. Vous vous rendez compte? Leur laissons pas le choix. 44,7%. Les filles faisant plus de 6 heures de maths en terminale passent de 94 000 en 2019 à 36 000 en 2021. Ce qu'on appelle une bonne réforme. On a essayé de la corriger, mais ça n'a que partiellement corriger du coup nos chiffres. Donc il ne faut pas faire d'erreur. On a besoin de femmes dans les STEM. L'UNESCO estime à 30% seulement les étudiantes en STEM dans l'enseignement supérieur dans le monde entier. Quant aux femmes qui y vont quand même, celles qui s'obstinent, qui rentrent dans les emplois de STEM, elles en repartent à 50% avant 35 ans. C'est sympa. Et les raisons, les voici dans l'ordre, d'après l'étude de McKinsey Women in Tech. Pas d'équilibre vie pro, vie privée. Je vous rappelle qu'elle continue à faire tout à la maison. On travaille dans des boys clubs. Inégalité salariale de plus ou moins 20%. Carrière injuste. Faiblesse des politiques anti-discrimination.
C'est grave. C'est grave en termes de conséquences. Les conséquences, vous les devinez, elles sont immenses. Comme les sciences et technologies orientent le monde, elles l'orientent vers un monde de garçons. Seulement 10% des architectes de solutions en cloud et 13% des développeurs Python, deux fonctions les plus demandées sur le marché du travail, sont des femmes. Aux USA, pays de la tech, le pourcentage de femmes obtenant des diplômes en informatique est passé d'un pic de 37% en 1984 à seulement 19%. On régresse. Probablement parce que les métiers du numérique rapportent plus que les métiers de l'informatique, les garçons ont très bien compris. Il faut faire attention. Faire la tech sans les femmes, c'est amplifier les biais et discriminations existantes, donc c'est s'adresser à la moitié de l'humanité. Toute notre vie digitale serait sexuée. Toutes les apps, tous les langages, toute l'AI, tous les robots, comme les AI n'ont qu'un système d'apprentissage, le deep learning, par la donnée existante, celle du passé, elles accentuent le phénomène. Un des robots recruteurs d'une grande plateforme a dû être abandonné car il déclassait systématiquement le CV des femmes. Et comme désormais le virtuel façonne en partie le réel, ce sont les produits, les services les plus futuristes qui vont se teinter de masculinité. Et ceux qui sont déjà féminins qui vont s'enfoncer dans la niaiserie et dans le rose. Et le monde occidental est d'accord avec ça. Enfin, on a tellement de problèmes à régler dans le monde pour le climat, les énergies, pour le futur, pour un futur meilleur, qu'on ne peut pas y arriver sans le vivier d'intelligence scientifique des femmes. Celles des hommes ne suffiront pas. Il faut que les femmes entrent dans la tech par millions pour qu'on ait une chance aussi de sauver la planète. Je suis en colère car nous sommes tous responsables. Tous fautifs. Les hommes, mais aussi les femmes, les parents, les patrons, les entreprises, les politiques, l'éducation nationale. Je suis en colère car en vérité, il n'y a pas de fatalité. Dans un certain nombre de pays, l'équilibre se fait. Selon le Global Gender Gap Report 2020 du Forum économique mondial, la part des femmes dans les diplômes en STEM atteint 58% en Tunisie. 55% en Algérie, 47% au Soudan, 45% au Maroc, 43% aux Émirats. J'ai un peu honte. Dans ces pays où les droits des femmes ne sont pas acquis, ce sont les femmes toutes seules qui ont compris que la voie de leur émancipation passait par les STEM. Elles n'ont besoin de personne pour reconnaître une voie d'autonomie, de liberté avec les STEM. Alors on va se bouger. Bougeons-nous vite. Il faut tout détricoter à toute allure. C'est une question de volonté et de détermination. D'abord à l'école, mettre les petites filles au contact des STEM de façon précoce et les encourager à poursuivre des études dans ce domaine. S'il n'y a que des mecs qui leur parlent, comment voulez-vous qu'elles pensent que c'est pour elles ? Développer des programmes universitaires inclusifs qui intègrent la question du genre, remettant en question les normes, s'attaquent aux raisons du décrochage. Renforcer la collaboration entre les écoles et les entreprises. Inciter les entreprises à créer des voies d'accès facilitées pour les femmes. Et pourquoi pas des quotas ? Ça a l'air de bien marcher ailleurs. Les conseils d'administration, Brigitte Grézy qui est là, le sait très bien avant. Pas de femmes, après, plein de femmes. Ensuite, dans les entreprises de la tech, recréer des environnements de travail inclusifs, développer les recrutements à l'aveugle, sur compétences, réduire l'isolement des femmes dans les postes technologiques, en veillant à créer des équipes mixtes. On ne va pas les CF toutes seules à Supélec, toutes seules. Développer des politiques de ressources humaines favorables, congés paternité, mentorat, mise en réseau, conférences, sensibilisation. Sinon, elles pensent que ce n'est pas pour elles, parce qu'elles continuent à penser qu'il faut s'occuper des enfants. Quelle bonne idée! Retenir les talents féminins, donner aux femmes des raisons de rester dans la tech, offrir des opportunités aux femmes pour les postes les plus recherchés et valorisés. Enfin, dans notre culture, dans la société, mettre en avant des rôles modèles et développer le mentorat pour créer des vocations. Développer aussi la communication. On peut communiquer, expliquer aux parents des petites filles que c'est bien la tech. Vous savez, un jour,
je m'inquiétais sur le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes en maths sup et en maths C, et donc je suis allée voir le proviseur de Louis de Gand. Il était proviseur depuis 14 ans. Et je lui dis, comment ça se fait quand même? Quand on arrive au bac, avant le bac d'avant, pas celui qui a compliqué un peu quand même la donne, là, en tout cas dans l'exclusion avec les maths, on demandait en maths, il y avait autant de bons résultats chez les filles que chez les garçons. Et hop, en maths, maths P, on perdait les filles. Et donc je lui disais, qu'est-ce qui explique cela? Il me dit, oh, ben, c'est très simple. C'est les profs et les parents, ils sont d'accord. C'est mieux pour les garçons. Il m'a expliqué qu'il n'avait jamais eu un seul parent de fille qui était venu causer et parler à Louis le Grand en disant, écoutez, ma fille peut rentrer à Louis le Grand, eh ben, d'accord, elle n'a que 14, mais 14 c'est bien, alors qu'il avait une ribambelle de parents de garçons qui venaient expliquer qu'à 12, ils étaient excellents. Et on ne se rendait pas compte, mais ils étaient vraiment excellents, c'était parce qu'ils n'avaient pas trop travaillé. Eh bien, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il faut communiquer, parce que les parents ne le font pas exprès. Mais les stéréotypes sont là dans la tête. Et il faut expliquer à tous que quand on prive les filles des STEM, on les prive de beaucoup de choses et on prive le monde de beaucoup de choses. Donc, selon une étude Girls Who Code 2022, 66% des petites filles intéressées par les sciences informatiques seraient plus susceptibles d'envisager une carrière dans la tech si elles connaissaient des femmes qui travaillent dans la tech. Aller dans les écoles, il faut aller dans les écoles. Développer le pouvoir de la fiction. The Queen's Gambit, par exemple. Saviez-vous que les jeunes femmes américaines qui regardent la série The X-Files, diffusée aux États-Unis à partir de 1993, avaient 50% plus de chances de faire carrière dans les STEM? Donc ça marche. Et bien sûr, prendre la parole, compter les femmes, ne jamais se contenter de petites avancées et ne pas être hypocrite. Ça ne va pas. Il faut changer des choses. Et enfin, politiquement, prioriser vraiment le sujet. Avoir cette volonté, ne rien lâcher. Il y a quelques années, pour le ministère des Droits des Femmes, on a fait à l'agence une campagne de programme court qui était signée « Égalité, il faut juste le vouloir ». Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de détourner cette formule. Les filles dans les STEM, il faut juste le vouloir. Voulons-le ensemble, ça sera bien. Merci. Merci beaucoup, Mercedes. Mercedes Serra. On peut l'applaudir. Alors, Charles, vous avez, Charles-Édouard, donc, la lourde tâche de succéder à Mercedes Serra. Je ne sais pas si vous voulez parler aussi à la tribune ou rester là. À la tribune. En fait, cette intelligence artificielle, hein, elle va nous ouvrir à de nouveaux métiers. On sait qu'on a à peu près 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Et vous avez des solutions justement à nous proposer aujourd'hui. Vous y travaillez. On va vous écouter. Alors, je vais me lever aussi. Quand Aude m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, j'ai dit oui tout de suite pour une simple raison. Et merci Mercedes d'avoir poussé un coup de gueule. Parce que ma fille, Charlotte Alicia, est à Télécom Paris, est ingénieur et a envie de faire avancer la science. Donc je suis un papa très fier. Et quand j'ai écrit ce speech que je vais vous présenter, j'ai pensé à elle, et j'ai pensé à toutes les filles dans les STEM. Et je vais vous raconter un petit peu comment pourrait être le futur. Alors avant de commencer à vous parler du futur, je vais vous parler du théorème d'Hirschhorn. Qui dans cette pièce connaît Kenny Hirschhorn? Personne, c'est normal, il a été licencié. Regardez, il y a une personne. Ah, d'orange, j'imagine. Nous sommes en 2000. Je travaille en tant que consultant à fusionner deux sociétés, France Télécom et Orange. Et on fusionne, et on arrive au département de la stratégie. Chez France Télécom, ils sont une quarantaine, ingénieurs, plutôt masculins. Et je demande chez Orange, vous êtes combien? Il dit, on n'a pas de département de la stratégie, on a un département de la futurologie. Alors moi je dis stratégie, futurologie, c'est pareil. Je vais le voir à Londres et je rentre dans son bureau. Et Kenny me présente ceci. Il me dit, Monsieur Boué, vous êtes stratège, qu'est-ce que c'est? Alors je lui dis, c'est un téléphone portable. Kenny me regarde et me dit, mais vous êtes pas stratège, vous y connaissez rien. Il me dit, je vous donne une deuxième chance, Monsieur Boué, vous venez du siège alors. Je lui dis, c'est un Motorola. Et il me dit ce jour-là, nous sommes en 2000, il me dit, ceci est la télécommande de votre vie. Alors nous sommes en 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été licencié.
Parce que qui pouvait imaginer en 2000 qu'un jour, un fou furieux comme Steve Jobs pourrait inventer ce qui est dans votre poche et qui s'appelle la télécommande de votre vie. Alors, je vais appliquer le théorème d'Hirschhorn que j'aime beaucoup à 2023. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, alors ? Quelqu'un a répondu ChatGPT. Oui, c'est faux, mais bon, c'est bien. Je suis comme Kenny, essayez plus fort. Alors, autre chose, est-ce que quelqu'un a une idée, une solution ? Voilà, non. Non, non, c'est... Et reprojetez-vous dans le temps, hein. Reprojetez-vous avec Kenny en 2000, me parlant de 2008, et là je suis en 2023, je vais vous parler de 2030, c'est la commande de votre vie, c'est l'IA portative, c'est ce qui va être pour ceux qui aiment les dessins animés, Jiminy Cricket pour Pinocchio ou Joy pour Blade Runner. Alors je vais vous expliquer pourquoi, et c'est important pour toutes les filles dans cette salle de comprendre vers où on va. Alors, premier élément de contexte, pourquoi je compare l'iPhone avec ChatGPT ? Parce que vous l'avez vu, le temps qu'il a fallu pour avoir 300 millions d'users est juste 100 millions pardon, est juste délirant, que la consommation et le nombre de personnes connectées. Est-ce que vous savez combien de personnes sont connectées ? Ça, c'est le chiffre officiel. Parce que l'Italie a débranché ChatGPT. Est-ce que vous savez combien de personnes sont connectées à l'instant où nous parlons ? Il y a plus d'1 milliard de personnes sur la planète qui sont connectées et qui utilisent ChatGPT. En réalité, le vrai chiffre, c'est 1,4 milliard en pointe. Il y a 1,4 milliard de personnes qui se connectent. Dans cette salle, qui ne s'est pas connecté avec ChatGPT ? Voilà. Donc, vous imaginez à l'échelle de la planète. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train d'être sur un moment iPhone. Deuxième élément à comprendre, c'est ce que j'appelle moi la pierre de Rosette. J'en ai fait une colonne dans les Échos, une tribune la semaine dernière. C'est qu'avant... tu as parlé de programmation, on avait, nous les humains, inventé un langage. Les machines, c'est des mathématiques, on en a parlé juste avant. Les mathématiciens sont les meilleurs musiciens, les meilleurs écrivains. On avait appris un langage pour expliquer aux machines avec des 1 et des 0. Donc, s'il fait 20 degrés ou un peu chaud, plus chaud, baisser la température, etc. Qui pouvait faire fonctionner une machine à laver, un ordinateur ou quelque chose de plus complexe. Ce qu'a fait ChatGPT, ou plutôt OpenAI, c'est qu'ils ont donné le langage à la machine. Pourquoi croyez-vous que le 1 milliard de personnes et vous-même, quand vous vous connectez à ChatGPT, vous avez l'impression de parler à une vraie personne ? C'est parce qu'en fait, ce qu'a fait OpenAI, pour la première fois de l'humanité, c'est qu'il a donné à la machine le codex, c'est-à-dire qu'il a donné des lignes de code. Donc il a expliqué à la machine, à l'envers, comment les humains expliquaient les ordres aux machines. Et c'est pour ça aujourd'hui, que vous avez ChatGPT et ChatGPT 4 qui sont plus puissants. Alors, vers où allons-nous ? L'IA sera une commodité, comme Windows est devenue une commodité Excel. Moi, je n'ai pas peur de l'hégémonie de players. Le monde sera commoditisé. Ça va devenir décentralisé sur votre machine, puisque j'appelle ça la commande de votre vie. Ça sera moins piloté par les données, puisque les données ont déjà été ingérées par la machine. Et nous allons passer à une communication avec des 1 et des 0. Nous n'aurons plus à toucher avec nos gros doigts des applications ou des écrans un peu complexes. Et ça veut dire quoi ? C'est quoi l'IA portative ? C'est une IA disponible sur votre téléphone ou ce qui sera votre interface graphique, 24 heures sur 24, 7/7. C'est quelqu'un ou quelque chose qui protège vos données, qui est votre Jiminy Cricket. Il sait des choses sur vous que vous ne voulez pas que d'autres sachent, mais qui vous permettent d'agir. Il agit comme votre propre conseil personnel, quels que soient les sujets, et il connaît vos préférences personnelles. Ça a beaucoup d'applications, ça va avoir l'application sur la façon dont vous allez travailler, ça va avoir l'application sur les interfaces, ça va avoir des applications sur l'expérience, tout ce qui est des activités volumiques vont disparaître. Et enfin, ce slide, je ne l'ai pas écrit hier, je l'ai écrit en 2017. Juste pour vous donner une idée de la direction dans laquelle on va, c'est un livre que j'ai écrit en 2017. J'ai été inspiré par Kenny Hirschhorn. Vous devez, filles dans le STEM, projeter le futur, l'écrire pour pouvoir en prendre possession. Ce n'est pas une question de pourcentage, même s'il faut qu'il y ait plus de filles dans les STEM. C'est une question du rôle que vous prenez, du leadership que vous prenez, pour conquérir le futur. N'essayez pas de copier les hommes, n'essayez pas de faire des choses comme tout le monde,
Vous avez cette chance, et j'ai travaillé avec beaucoup de femmes entrepreneurs dans les STEM, vous êtes capable de projeter des futurs beaucoup plus longs, faites-le. Alors ça veut dire quoi pour nous, humains? Ça veut dire que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle, alors en anglais j'appelle ça Edge AI, donc c'est l'être humain augmenté, la combinaison entre l'homme et l'intelligence artificielle. Nous serons des salariés plus intelligents, on le voit déjà dans les CV que je reçois de candidature, on a un niveau de qualité des gens qui va être augmenté. Nous serons des consommateurs augmentés, nous serons beaucoup plus intelligents que nous l'avons été ou que nos parents ou grands-parents l'ont été. Nous serons, je l'espère, des citoyens augmentés par rapport à tout ce qui peut être des choix d'élection, de vote, de référendum. Mais nous devons garder les compétences humaines qui ne peuvent pas être répliquées. Je les ai écrites là, c'est l'empathie. La capacité à... Je suis sur l'écran. La capacité à écouter. Et vous aurez beaucoup plus de temps pour vous, beaucoup plus de temps pour exprimer votre pensée démultipliée par la machine. Je pense que nous serons tous mieux informés, mieux éduqués. Alors enfin, et je conclue là-dessus, c'est quelles que soient vos idées sur le futur, que vous pensiez, comme notre ami Elon Musk, que cet événement est juste une simulation, nous sommes dans le métaverse, tout ceci est des 1 et des 0, et nous avons une chance sur 1 milliard, comme ils disent, que nous ne soyons pas dans un monde, que nous soyons dans un monde non réel, ou que vous pensiez que tout est dur, mais qu'il faut ne pas se plaindre et avancer dans la direction que je vous ai indiquée. Quel que soit ce que vous pensez après cette présentation, je fais l'injonction à vous, femmes ou filles des STEM, de prendre possession du futur. Merci. Merci beaucoup, Charles-Édouard. On va enchaîner, mais juste avant une petite question quand même, vous êtes bien optimiste hein, quand même, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus inquiets que vous sur l'IA, ses conséquences, l'impact que ça peut avoir. On dit qu'aujourd'hui l'IA va lire nos pensées, on va dire que l'IA peut-être un jour dominer l'homme. Enfin, je vous trouve très optimiste quand même. Hein. Alors, si vous lisez mon livre que je vous recommande, qui s'appelle « La chute de l'empire humain », donc... Il y a un point important. Aucune technologie, aussi létale soit-elle pour l'être humain, n'a été arrêtée. Nous avons bâti l'arme nucléaire qui peut nous annihiler tous. Nous avons bâti des armes biologiques, biochimiques. Nous ne savons même pas ce qui s'est passé avec le Covid. Nous avons maintenant une nouvelle technologie. Elle est inarrêtable. L'être humain, et c'est Saint Augustin qui le disait, l'enfer a été inventé pour les curieux. L'être humain est curieux. Quelqu'un ouvrira la porte. Donc moi, mon message, c'est oui, il y a un risque d'un futur difficile et néfaste, mais si nous, avec notre humanité, nous ne prenons pas les rênes, et si les femmes dans cette salle des STEM ne prennent pas le leadership, oui, ça arrivera. Mais partir pessimiste, il n'y a aucun entrepreneur pessimiste. Je n'ai croisé aucun entrepreneur pessimiste dans ma vie. Non, moi, j'aime bien son regard, parce que de toute façon, il vaut mieux le regarder comme ça qu'autrement, parce que il a raison, ça a lieu. Après, pour être clair, là où il y a un danger, c'est que vous n'êtes que des garçons et qu'on va se faire avoir. Et il a raison, c'est hyper important. Donc, il faut aussi avoir une stratégie où on met les filles, c'est pas peu importe, les filles, leur intelligence, on en a besoin pour faire ce monde de demain. Et ce monde est tellement important et différent et bouge tellement qu'il y a intérêt à s'y mettre. Il faut pas une... Donc, franchement, ne laissez pas vos petites filles se fichent de la mathématique, parce que c'est une certaine forme de base, et battons-nous pour aider. Et je suis une fille de lettres, et prof de lettres, et j'adore les lettres. Et merci Monique de ne pas faire de frontières stupides. Mais il faut qu'on arrive à un équilibre humain. On va perdre la main si on n'arrive pas à l'équilibre humain. Et je ne suis pas sûre que je suis passionnée par un monde uniquement masculin. Mais 50% masculin, oui. Merci beaucoup. Merci Mercedes. Merci à tous les deux. Merci Charles-Édouard. Effectivement, il ne faut pas une intelligence artificielle qui soit conçue que par des hommes, parce que sinon, effectivement, pour les femmes, il manque la moitié des choses. Hein. Voilà, 50%. Et pour les hommes aussi, d'ailleurs. Merci à tous les deux.